bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'application de la semaine je suis désolé pour le petit retard sachant que celle-ci devait sortir hier soir mais mes examens m'ont obligé à repousser la publication je vais vous présenter une application pour conclure la semaine go launcher dev team durant laquelle j'ai présenté go sms pro go launcher x et go locker aujourd'hui on s'attaque à go backup une application qui va pouvoir sauvegarder pratiquement tout le contenu de votre téléphone il s'agit ici donc d'une alternative à la sauvegarde avec une application comme Titanium Backup par exemple que je présenterai très bientôt. Go Backup est plus adressé aux gens qui aimeraient une interface très simple et qui fait simplement ce qu'on lui demande et rien de plus. Alors comme vous pouvez le voir, l'ouverture de l'application, eh bien c'est très simple. Vous avez tout simplement la possibilité de sauvegarder donc sous New Backup qui correspond donc à sauvegarde. Et euh, un bouton Restore qui correspond donc à restaurer une sauvegarde. Sachez que vous devez créer un compte Go Backup après l'installation de l'application pour pouvoir envoyer certaines données de sauvegarde au serveur Go. Ne vous inquiétez pas, il ne vous envoie tout simplement aucun email, aucune newsletter ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de spam en vue. Alors on va se rendre dans les réglages. En haut à droite. Voilà. Sous Batch Delete Backup, vous pouvez tout simplement supprimer vos anciennes sauvegardes. Ensuite, vous pouvez activer la sauvegarde de vos contacts. Et il euh, y a également une option juste en dessous, activer en fait l'option qui va faire que l'application ignore les contacts en double lors de la restauration. Donc c'est relativement pratique. Ensuite, la rubrique suivante concerne la sauvegarde des données euh, d'application. Alors il faut le préciser tout de suite, la sauvegarde des données d'application exige que votre téléphone soit routé, que vous possédez donc les droits administrateurs qui vous permettent de modifier tout sur votre système comme vous le voulez. Pardon. Vous pouvez euh, regarder mon tutoriel pour installer la ROM Cyanogen 9 pour en savoir plus au niveau du route. Euh, donc ici vous pouvez activer ou pas la sauvegarde euh, des, des, des données d'application. Sous route. Euh, Introduction, euh, vous avez des explications tout simplement sur le route, mais en anglais. Sachez tout de suite qu'il y, euh, qu y a bien plus d'options de sauvegarde que ces deux qui se trouvent dans les réglages. On va voir donc euh, ça tout de suite. Je parle donc euh, ici donc, euh, des, de la sauvegarde des contacts et des données d'application. Et euh, finalement, sous les réglages supplémentaires, vous avez tout simplement les infos de votre compte. Vous pouvez également donner votre avis et en apprendre un peu plus sur l'application. Voilà, donc on passe à la sauvegarde concrètement. Eh bien, l'application peut vous sauvegarder vos messages, vos contacts, le, votre journal d'appel, les accès Wi-Fi que vous avez sauvegardés. Donc, euh, si un jour il y a toutes vos données qui disparaissent, vous n'aurez aucune information à mettre au niveau des réseaux Wi-Fi par exemple, puisque la restauration va euh, restaurer donc, les données de ces points d'accès. Et vous pouvez également sauvegarder le dictionnaire utilisateur. Sachez également pour ceux qui ont Go Launcher installé qu'il y aura une option qui va s'afficher. Elle ne s'affiche pas ici puisque je n'ai pas Go Launcher installé en ce moment. Mais euh, ça vous, euh, vous pourrez donc sauvegarder les paramètres de Go Launcher ici. Voilà. Et donc sous application, vous pouvez sauvegarder toutes vos applications. Et pour les utilisateurs root, si vous avez activé l'option sauvegarder les données d'application dans les réglages et eh bien en, en, en sauvegardant ici, en sélectionnant les applications que vous voulez sauvegarder et eh bien ça va automatiquement sauvegarder les données, pour les autres ça va tout simplement sauvegarder uniquement les applications en elles-mêmes, voilà donc voilà, c'est tout bon pour ça ensuite euh, donc tout simplement sous restore maintenant, si vous avez donc euh, si, si vous avez besoin de restaurer une sauvegarde eh bien, euh, il faut simplement cliquer sur Restore, sélectionner donc, euh, la, la sauvegarde de votre choix, et ensuite, sélectionner les éléments à restaurer. Tout simplement. Et voilà. Et cliquez sur Restore. Euh, sachez d'ailleurs que, que la sauvegarde et la restauration est très rapide, je trouve. Finalement, vous avez une dernière option qui permet de programmer des sauvegardes. Euh, donc, vous cliquez sur l'icône. Là-haut, donc petit chronomètre, euh, ça ressemble à ça. Et là, vous, mettez, vous cliquez sur Add a New Schedule et vous pouvez alors euh, sélectionner le type de sauvegarde, la date, l'heure, le nombre de répétitions et le nombre de minutes avant lequel l'application vous rappelle qu'il va y avoir une sauvegarde. Et voilà, le tour est joué. Vous sauvegardez et ensuite c'est programmé. Dernier point important qui vous évitera de perdre toutes vos données, même les sauvegardes de Go Backup. Je vous conseille de copier le dossier Go Backup que vous trouverez sur la mémoire interne de votre téléphone. Vous copiez ce dossier sur votre ordinateur et si un jour il y a un problème et que vous perdez tout, vous copierez ce dossier sur la mémoire interne, puis installez l'application Go Backup et elle reconnaîtra automatiquement pardon, la sauvegarde. Vous pourrez ainsi la restaurer sans problème. Voilà, j'en ai terminé avec cette application très intéressante. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve très très bientôt pour de nouveaux tests et de nouvelles applications de la semaine. Salut à tous